regardez Jour de Chance. Du lundi au vendredi avec toujours le même public, toujours aussi chaud, toujours aussi dynamique. Merci d'être chez vous, merci de nous regarder, merci de nous accueillir. Je suis en compagnie de la magnifique Amy Touré. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir les chanceux, bonsoir les chanceuses, bonsoir Bito. Ce magnifique public. On est dans Jour de Chance pour que vous gagniez énormément d'argent. On est là, Brico et moi, on est là pour vous. 2 millions de Français va partager, en tout cas remporter, si vous êtes parmi les chanceux qui vont être avec nous sur ce plateau. Et puis si vous êtes à la maison, vous avez toujours la possibilité de participer, d'envoyer le mot « Jour de chance » au 07... 69 68 99 99. Voilà. Ça va, Mimi ? Ça va très bien, Brico. Bah, vous avez fait quoi tout le long de la journée ? Est-ce que vous avez petit déjeuner ? Oui, j'ai petit déjeuner. Est-ce que vous avez déjeuné ? Non. Par contre, non, parce que je suis au régime. Ah, vous êtes au régime. Ah ouais ? Je t'ai dit ça depuis, tu n'entends pas. Je dis « je suis au régime ». Non, non, c'est surtout pas dit « voix ». Donc c'est le poulet que tu mangeais la dernière fois. Mais le poulet, apparemment, on peut manger le poulet, même quand on est au régime. Enfin, c'est pas du poulet. Non, 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 on dit le poulet. Mm-hmm. Voilà. Donc quand tu le manges, il est fort. Vous savez, c'est une affaire de prononciation, c'est une affaire de diction. Oui. Et même le poulet, quand on dit le poulet, il se sent respecté. Tu penses que tu vas manger quelqu'un, que toujours tu dois pas... Mais si tu dis poulet? Le poulet, c'est... En fait, le poulet, c'est une tête qui se balade comme ça. Okay. Mais quand tu le poulet, il a une démarche qui change. Donc, on doit dire le poulet. Qui est fort, le poulet. Qui est fort, le poulet. Donc, voilà, moi, j'ai petit déjeuner, des céréales, au lait, tranquille. Des céréales au lait. Mm-hmm. Petit déjeuner. Oui. Et depuis petit déjeuner, céréales, t'as pas encore mangé quand maintenant. Bon, j'ai grignoté un peu. Garba. Non, 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 pas garba, pas garba. J'ai pris des biscuits. Un peu de jus, voilà. Parce que moi, j'ai un ami à qui on a dit « À table, il faut un verre de vin. » Un verre de vin à table, c'est pas mauvais. D'accord. Il a bien compris la chose. Verre de vin qu'il a l'air comme ça. Non, il s'est costaud. Ah, il a dit, on dit un verre. Un verre de vin, mais il faut pas... On n'a pas dit la forme du verre. On dit « Il est fort, cet ami. » Il est fort. Ah, mais c'est bien. Bah oui. Et sinon, tu sais que j'ai animé un mariage. Ah oui, c'est vrai? Oui. C'était quand? C'était le week-end. C'est bien. Mm-hmm. Ils sont contents de toi? Vraiment, ils ont été contents et c'était magnifique. C'est vrai que j'ai vu quelques images quand même. Oui. Tu étais magnifiquement habillée. Merci. Et puis, t'as bien tenu la salle, les gens étaient contents. Vraiment. Tu as bien. En tant que maîtresse de cérémonie, tu as assuré. Vraiment, merci, Brico. Moi, je vois le sourire. C'est grâce à toi, tes conseils que tu m'as donnés. C'est rien à côté. C'est rien à côté. Elle est forte aussi, Amy, elle est forte. Non. Je suis à la bonne école. Je suis à la bonne école. En tout cas, vraiment. Et on m'a laissé une commission pour toi. Dis-moi. On m'a dit, là-bas, au mariage, on ne passe jamais devant la star. Jamais. Je te jure. Mais non, mais vous en ville, au supermarché, il veut passer devant moi. Mais il y a une femme qui est quittée à la caisse du supermarché. Non. Pour venir dire à ce monsieur, monsieur, le monsieur qui est là, on ne passe jamais devant la star. C'est incroyable. Il avait un chariot en plus. Non, mais sérieux, il a voulu passer devant toi. Oui. Ah, la dernière personne qui a voulu passer devant moi. Bon. Cette personne est où? Il est fort. Donc, c'est pour te dire que tout le monde sait, en Côte d'Ivoire, je pense que même partout dans le monde, on ne passe jamais devant la star. C'est un principe mondial. Tu vois une star, Michael Jackson, tu vois une star, José par exemple, José. José, oui. C'est-à-dire que José qui est là, José a arrêté devant toi. Et puis toi, tout ce que tu as fait, c'est passer devant José. C'est vrai. Tu veux pas passer derrière? Je veux passer devant. Donc on ne passe jamais. Jamais devant ça. Toi, ami, comme ça. Oui. Attends, les gens te voient de face. Oui. Mais pourquoi ils passer devant toi? Ou bien, personne ne doit passer devant moi. Je suis une star. Ami, ne bouge pas. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? On ne passe jamais devant la star. Derrière, bon. Passer derrière. C'est un peu, tu vois, en tout cas, merci de nous le rappeler chaque fois. Parce c'est que important, tu vois, c'est important. Tout le monde sait maintenant. Mm-hmm. Tout le monde est gouloulou. L'Afrique est donc gouloulou. Deux équipes vont s'affronter ce soir sur le plateau de Jour de Chance. Voici la présentation des teams. La première team qu'on reçoit, c'est la team Pro. La team Pro. Les pros. Les pros. Pro, c'est pro. Allez, le gars, il a le look du pro. Petit dread, petit feeling. Tu as un tatouage?
Non, non. C'est ça qui manque encore. Avec les coiffures. Ah, la coiffure de pro. C'est stylé. Ah, je sens qu'il doit jouer à Manchester. Mmh. Oh, arrêtez. Est-ce que vous jouez à Manchester? Non, non. Vous jouez au foot? Non, non, je suis acteur. 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 Il peut jouer à Manchester aussi. Bah, c'est ça. C'est parce que j'ai un ami quand même, il a voulu jouer au football. Mais c'est comment il a dit les choses là, ça l'a pas arrangé. Il a dit ça. On lui a posé question. Il arrive en France. D'accord. Recrutement dans l'Olympique de Marseille. D'accord. Lequel a demandé. Mmh. Alors, vous jouez à différents postes. Mmh. Est-ce que vous jouez au milieu? Il dit, oh, au milieu, il y a tué. Mmh. Le blanc lui a dit, alors, on n'est pas là pour faire des meurtres. Il dit, bon, alors, et en avant, vous jouez buteur. Il dit, ouh, là-bas, je suis mal, mauvais. Non. Ils l'ont jamais recruté. Il dit, mais si vous n'êtes pas... Alors, il est parti. Alors, il dit qu'il est mal, mauvais, donc c'est pas la peine qu'on le recrute. Voilà. Il est assuré. Donc, je vois un seul qui parle comme ça. Comment on s'appelle? Prégnon Jean-Élysée. Prégnon Jean-Élysée. Mm-hmm. Ami. Brico. Est-ce que tu sais qu'il y a un... Dis-moi. Il y a un truc qu'on voit à la pharmacie, là. Mm-hmm. Et Charles, t'as on a dit vous chambrez avec ça toute votre vie. Déjà habitué. Le nom du médicament. Quel est ce médicament? Hein? C'est pour le lendemain en fait. Ah. Non, d'accord. Il est fort, Prégnon. Prégnon, il est fort. Ah, ok. Prégnon. La bonne humeur. Connaisseur, connaît. Si vous êtes à la maison, que vous êtes un connaisseur, vous connaissez. Connaissez. Dans le public ici, vous connaissez. Vous êtes fort, le public. Bon, c'est passé la gauche à côté, là, qu'on n'est pas au même. Mais parce que quand on la regarde, elle incarne la sagesse, la beauté, la classe, le style. Comment vous appelez-vous, madame? Mademoiselle Traoré Mariam. Mademoiselle Traoré Mariam. Mamou, comment ça va? Ça va. Mamou, ah, vous habitez où? Vous venez de quel quartier? Abo Anado. Abo Anado. Mmh. 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 Ça va? Et quel est le lien entre vous? Nous sommes amis. Notre ami? Oui. Ami. Depuis longtemps? Ouais, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que vous êtes amis. Mmh. Ah ouais. D'accord. Comment vous êtes rencontrés? Toi, tu es parti à Abo Anado pour la rencontrer. Et donc, du coup? Non, moi, je suis dans le commerce e-commerce sur Facebook. Et elle a commandé des trucs avec moi, des petits chocolats bruts. Et je suis allé le livrer. Et à partir de là, la conversation est partie. Ah, ok. Il est fort. Et donc, Dans livraison. Dans livraison. Bon, du coup, vous avez décidé de venir tous les deux jouer pour gagner de l'argent. Exactement. Okay. En tout cas, on vous souhaite gagner beaucoup d'argent. Mariam, alors qu'est-ce qui a fait que l'amitié, c'est-à-dire qu'il a fini de livrer, le lendemain, il envoie un petit message. Madame, vous êtes contente des chocolats? Oui. Ah, d'accord. Vous voulez d'autres chocolats? Oui. Tu peux en parler livrer? Oui. C'est cadeau maintenant? Oui. Oui. Amitié est venue en même temps. Amitié est venue en même temps. Mais il est gentil, il est gentil. Il est gentil. Très, très gentil. Très, très gentil. Il envoie des chocolats gratuitement de temps en temps. La société va faible. Il est fort. Elle n'a pas de raison, de choses, parce que je suis marié. Je suis père d'un enfant. C'est une bonne amie. Je vous crois. Mais nous, on n'a rien dit. Il précise. Non, c'est surtout pour son épouse qui regarde l'émission. Bien sûr. Il a besoin de dire, c'est pas venu. Comme les gens sont vraiment, tu peux dire qu'ils sont pas mariés. Après, on apprend des choses. Bon, alors donc, Prégnon, c'est un garçon bien. Franchement, non, mais tout le monde n'assume pas. Hein. Mais toi, quand même, tu l'as dit. Votre épouse s'appelle comment? Élodie. Élodie. En fait, Élodie, tu nous regardes ce soir et avec ma amie, on a envie de dire que tu es chanceuse d'avoir ce magnifique mari. C'est quelqu'un de bien. Oui. Le coup, il est fort. Question, est-ce que Élodie sait que tu as mis à Mariam? Oui, elle sait. Elle sait? Oui. Ah, ok, d'accord. Madame, tu connais Élodie? Il t'a parlé d'Elodie. Il m'a parlé d'Elodie. Il t'a parlé d'Elodie. Ah, c'est beau l'amitié. Ouais. Donc vous êtes vraiment amis de temps en temps. Oui, amis. Vraiment. Est-ce qu'ils sont nombreux comme ça en Côte d'Ivoire? Mais toi et moi, on est amis, Brico. Alors. Ou bien? Elle est forte. Elle est forte. Elle est amie. Quand tu gagnes tes tickets, tu ne me donnes pas là. C'est quelle amitié ça? Je vais me rattraper. Je t'ai promis la canne prochaine. On est ensemble. D'accord. Et vous, Mariam, vous êtes mariée, vous avez des enfants? Non. Pas encore. Célibataire sans enfants? D'accord. Alors, le monsieur que vous cherchez dans votre... Vous voulez vous marier, hein, j'espère, je souhaite. En tout cas, si c'est votre souhait. La personne de votre cœur, là,
Elle doit avoir quel profil? Un homme grand détail. Grand détail. Mmh. Les amis, grand détail. Grand détail. Hein. C'est très, très bien. Déjà, ça commence bien. Alors, la forme. Fais attention, Mariam. On parle de la forme. Hein. Fais attention. Quelle forme il doit avoir? Bon, pas trop à poutou, mais... Pas trop à poutou. Pas trop à poutou, hein? Pas ça trop a dit quoi? Question. Question. Ça a dit quoi? Question. D'accord. Mais c'est surtout qu'ils soient gentils. Qu'ils apportent des chocolats, par exemple. Non, mais m'explique en même temps, Elodie. Elodie, tu as intérêt à bien attraper tout. C'est si tu fais les chichis, là, qui est venu m'expliquer chocolat, merde. Chocolat. Face à la team pro, il y a une deuxième team amie comme tous les soirs pour ces face-à-face, la seconde team. Ça s'appelle la team Alfred Alu, qu'on reçoit maintenant avec les ovations que nous avons pu. Alors, bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. On fait les présentations, comment vous appelez-vous? Moi c'est monsieur Arnoé Jaffé. Jaffé? Oui monsieur. Ah, Jaffé. C'est un prénom, hein, Jaffé. Jaffé. Bon, la dernière fois que j'entendais ça, c'était dans un prince à New York. Un prince à New York, Jaffé? Oui. Moi, je connais Jafar. Ah, non, c'est son petit frère. À côté de Jaffé, il y a... Moi, c'est Kim Abdulaziz. Abdulaziz? Oui, Abdulaziz. Ça va, Abdulaziz? Oui, ça va. Alors, vous êtes collègue? Bon, c'est mon apprenti. Attendez. Ah bon? Oui, parce qu'il travaille dans l'aluminium. D'accord. Jaffé et... Il est venu avec son apprenti. Moi, je suis sûr d'une chose. Si les... Si les deux là gagnent 2 millions, ça va gâter le travail là. Parce que le patron va dire, bon, comme ton apprenti, moi il prend 1 million 900. Et puis là tu prends Togo, après tu as dit patron, tu n'es plus patron ici. Ça va les gars? C'est bien. Oui. Vous êtes dans l'aluminium, dans la vitrerie. Oui. Très bien. Alors, justement, est-ce que ça existe? On voit souvent dans les films, il y a un truc qu'on prend pour ouvrir, pour couper les vitres. Oui, c'est avec ça. C'est le diamant, ça? Oui. En tout cas, oui. Ça existe vraiment? On peut faire oui, ça? Oui, ça existe. D'accord. D'accord. Okay. Donc là, vous faites tout ce qui est aluminium, vitrerie, portes, coulissantes et tout ça. Tout ce qui parle de l'aluminium et des vitres. Mmh. Portes coulissantes, les belles vitrées, balcon comme... Oh. Piscine bien encadrée. Travail, ah oui, c'est vrai, hein. La jolie piscine. Ouais, ouais. Ça fait donc, il est fort, ça fait. Le nom Alfred Alu, c'est le nom de votre marque? Oui. D'accord. C'est le nom de ma société. Alfred Aluminium, tu vois, Alfred Alu. Ah oui, je vois. Alors, Jaffé, t'es marié? Oui, légalement. Légalement. Combien d'enfants? 5 enfants, mais bientôt. 5? 100 enfants, mais bientôt. Oui. Ah, pas deux. Sans enfants, mais bientôt. Mais bientôt. Il a 100 enfants, lui seul. Bientôt, il va faire 100. À côté, Abdulaziz. Oui. C'est ça? Oui, c'est vous êtes marié? Non, pas encore. Pas encore, hein? Ouais, pas encore. Fiancé, non, il y a quelqu'un de dans le quartier. Bon. Qui tape un peu le jeton. Mais si, il va faire. Non, Abdulaziz. Ouais. Abdulaziz. Oui. Viens. Venez, Abdulaziz. Venez on l'applaudit. C'est comme tu m'en vas au quartier. Et puis donc moi je suis là. Donc quand tu finis le boulot comme ça, on se voit. Mais Abdulaziz, il peut te présenter quelqu'un? Non, pas vraiment. Dis-moi, tu présentes quelqu'un? Non, non. Aïe. Pourquoi? Rico, tu ne sais pas comment dire, non? Mais c'est pas encore marié. Mais dis-moi, tu présentes quelqu'un? Un peu bon. Vrai match façon là. À vrai dire. Et tu oui. Dans ton feeling pour l'instant, tu ne cherches pas de femme? Bon, pas comme si je ne cherche pas de femme. Bon. Il y a déjà une qui est là, quoi. Oh, mais faut dire ça depuis. Donc, tu n'es pas célibataire. Ça dit de là-bas jusqu'ici, là. On cherche la science en prophétie. Émission, là, passe à la télé. On va t'amener dire là-bas. Et puis, on dit, quand tu arrives à la maison, dis-toi. Brico. Tu es célibataire, non? Tu as voulu tester pour voir si ça allait matcher? Oui, ça allait matcher. Ça n'a pas matché. Non, mais en fait, lui n'est pas trop à Poutou. Non, il n'est pas. Bon, il est grand aussi. Hein. Il est grand aussi. Lui et Mariam. Elle sourit. Bonsoir.
C'est pas. Mariam, je te présente Abdulaziz. Mais là, quelqu'un, bon, c'est pas trop, il n'a pas voulu dire au début. Est-ce que c'est vraiment sûr? Est-ce que lui-même, là, il pense qu'il est quelqu'un? Mais c'est quelqu'un, lui, on ne sait pas. Tout ça, mais bon, mais bon, mais bon. En tout cas, c'est l'amitié. Moi, je peux vous dire que Mariam, c'est une bonne amie. Si vous êtes amis, vous êtes amis. Elle n'est pas dans la bêtise. Si vous êtes amis, vous êtes amis. Il n'y a rien d'autre que l'amitié. C'est ça. Voilà, donc, si tu cherches amis, voilà madame qui est amie. Elle est amie. D'accord. Moi-même, c'est mon amie à partir d'aujourd'hui. Tous les soirs, deux chocolats. C'est ça. Je sais qu'elle elle aime bien les chocolats. Elle aime bien les chocolats. Mais c'est moi qui aime bien les chocolats. Non. J'aime les chocolats. Si vraiment j'avais cette information avant l'émission, je vous ai offert du chocolat. Mais je vous fais la promesse, ma chère Maria, devant Ami, devant Jaffé, devant Abdulaziz, devant Prégnon, qu'à la prochaine émission, je vous offrirai du chocolat. S'il gagne ou pas? Si elle gagne ou pas. Mais je sais pas. Si elle gagne, si elle gagne, elle gagne pas où? Ah, okay. Chocolat. Chocolat. Moi, je connais mes camarades. En tout cas, tu es gentil. Mais tu n'as pas volé mon ami, hein, parce que Brice, c'est mon ami. Pas de souci. Ami, c'est mon ami. Bon, les amis, vous êtes en position, vous êtes en place. Attention, on va jouer pour 2 millions de francs CFA. Tout de suite, voici notre première rubrique qui s'appelle La Première Chance. Je vous explique le principe de la première chance, les amis. Écoutez bien les règles. Restez très bien concentrés parce que les questions de culture générale vont commencer maintenant. Une bonne réponse, une bonne étoile. Vous avez 10 étoiles à décrocher dans cette première chance. Vous voyez les buzzers? Il faut être rapide. Bonne chance. Bonne chance. Vous pouvez mettre la main sur le buzzer. Comment ça? Mets ta main. La bague, hein? Bon, pas trop bien apprendi. Voilà. Bon, c'est comme ça, mais sinon, si vous pensez que vous pouvez être rapide, vous n'avez pas besoin de mettre les mains dessus. Hein. Si vous pensez que vous pouvez être rapide, c'est pas la peine. Voilà, c'est vous qui décidez. Voilà, soit vous enlevez les mains, ou bien voilà, c'est bien. Voilà. Madame a levé sa main, admettons. Amerton a levé sa main. Pas trop bien apprenti, ils sont en bêtise. Mais quel est le nom de la... Alors, je vous donne le nom et vous me trouvez de quoi cette dame a été lauréate nationale. Noferima Fofana. Noferima Fofana a été lauréate nationale du concours de... C'était en 2024. Elle a été lauréate d'un concours. Lequel des concours? Noferima Fofana a été lauréate nationale du concours national de... Aïe. De slam. Quelle est la principale source économique de la Côte d'Ivoire? Le cacao. Mauvaise réponse, Jaffé. La principale source. Ce que je voulais dire. L'agriculture, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Le cacao, bon. Justement, à propos de cacao, ami, vous en parliez. Le cacao représente 15% du PIB de la Côte d'Ivoire, vrai ou faux? La buzz, faux. Attendez qu'on vous donne la réponse. Vous? Faux. Faux. OK. C'est vrai, c'est faux. Attendez, c'est plutôt 10%. Et quel pays africain le second producteur de cacao? Ghana. Bonne réponse. La basilique Notre-Dame de la Paix a été inaugurée par le pape Jean-Paul II, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Bravo. Et quel est le montant estimatif de la construction de la basilique Notre-Dame de la Paix? 400 millions de dollars, 300 millions de dollars ou 200 millions de dollars? Ça buzz ici? 400 millions de dollars. 400 millions de dollars. Mauvaise réponse. C'est à vous. 300 millions de dollars. 300 millions de dollars et c'est une bonne réponse. Si vous voulez, en quelle année la mosquée de Kong, a été inscrite au patrimoine national de l'UNESCO? 1921, 2001 ou 2021? Vous voyez, je vous écoute. 2021. 2021, bonne réponse. Dans quelle ville d'Afrique s'est déroulé le Basket Africa League 2024? Abidjan, Dakar ou le Caire? Ça buzz à droite? Dakar. À Dakar, bonne réponse. Je vais dire les noms maintenant. Et quel est le titre du nouveau single de l'artiste Suspect 95? Ça buzz chez l'équipe de Prion. Seigneur. Mauvaise réponse. Bat, partie 1.
avec votre réponse. Alors, Jaffé, vous avez la main. Partie 1. Aïe. Le parti, il fallait dire. Le basketteur Mobamba jouera pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, vrai ou faux? Ça buzz à droite chez Jaffé. Faux. Faux. Vrai. Bonne réponse. Ami. Brico. Faites-nous les points, s'il vous plaît. L'équipe. Bah, les zéros, mais. L'équipe Alfred Dalu n'a que 3 étoiles. Et l'équipe qui est en tête, c'est l'équipe Pro avec 4 étoiles. C'est une bonne chose, c'est une très très bonne l'équipe chose. L'équipe Pro remporte cette première chance. Rien n'est encore perdu parce que il y aura la seconde chance. Seconde chance qui sera une épreuve individuelle. C'est ça. Face à face individuelle, les deux choses sérieuses continuent. Ouh. Pour chaque thème, deux questions. Thèmes s'offrent à vous. Le premier thème, c'est Sprich Deutsch, mais moi je parle pas allemand, ou Parlo Italiano. Vous êtes en tête, l'équipe pro, vous êtes en premier pour choisir le thème. Italien ou allemand? Italien. 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 Bienvenue dans la seconde chance. Rico, on va aller du côté de la pub. On va à la pub? On va à la pub. Ah ben on va à la pub, à tout on à l'heure. À la pub. Nous sommes de retour sur le plateau de Jeux de Chance avec toujours beaucoup de plaisir. Il y a la magnifique Ami Touré et surtout deux équipes qui s'affrontent sur notre plateau pour espérer repartir avec, inchallah, 2 millions de francs CFA. La team Pro et la team Alfred Alu. Ils sont sympas, ils sont sympas. Et puis il y a une dame, magnifique dame. Et épreuve individuelle à présent, on a dit italiano. On ne souffle pas, s'il vous plaît, c'est individuel. Parlo italiano. Comment dit-on bonjour en italien? Oui. Ciao. Ciao. C'est pas ça. Buenos dias. Buenos dias, espagnol. Buongiorno. 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 Mes amis. Comment dit-on je m'appelle en italien? Est-ce qu'on dit mi chiama? Est-ce que mi chiamo ou mi chiame? Mi chiamo. Mi chiamo. Bonne réponse. Comment dit-on je t'aime en italien? Vous avez buzzé? Te amo. Te amo. Bonne réponse. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Ah, c'est ça. Comment dit-on mange en italien? Est-ce qu'on dit mangiare, mangiaro ou mangiara? Mangiare. Mangiare. Bonne réponse. On dirait que tu t'es un peu en Italie, frère, en Italie. Tu as fait l'Italie? Non, non. Comment dit-on boire en italien? Bere, bara ou biro? Bere. Bere. Bonne réponse. Bonne réponse. C'est terminé pour le premier face-à-face individuel. Second thème. On va parler italien. Ouais. On va parler allemand maintenant. Ça fait contre Mariam. Comment dit-on bonjour en allemand? Trois possibilités. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Schäge. Guten Schäge. Guten Schäge. Guten Tag. Guten Tag. Bon, bon, bon. Bon. Comment dit-on je t'aime en allemand? Est-ce qu'on dit Ich liebe dich? Ich liebe dich? Ou Ich liebe dich? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Camarade, mais connais les trucs de l'amour. Rico, Ich liebe dich. Ich liebe dich aussi, ami. Ich liebe dich. Hein. Ich liebe dich. Franchement, ça fait beaucoup de dich. Hein. Ouais. Comment dit-on deux en allemand? Vous êtes allemand ou espagnol, ami? Moi, je fais espagnol. Je on est deux ici sur le plateau. Comment dit deux en allemand? Zwei. Zwei. On dit comment? Zwei. 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 Bon, franchement. Oui. Zoé. Zoé. Ah. Bon, Zoé, ça c'est quand même le truc en vous avez fait Zoé. Comment dit-on un bébé en allemand? Ein Baby. Un Baby. Ich Baby. Reprenez la question. Ah. Allez-y. Reprenez la question.
Comment dit-on un bébé en allemand? Ein Baby. Ush Baby. Ein Baby. Ein Baby. Ein Baby. Bonne réponse. Lorraine qui a fait la question, elle a quand même pu nous demander si on faisait allemand ou pas. Comment dit-on bonsoir en allemand? Guten Morgen. Tu vois mon accent allemand? Oui, j'adore. Guten Morgen. Guten Abend. Ou Guten Buden. Guten Morgen. Guten Morgen. Je reprends. Guten Abend. Guten Morgen. Ou Guten Buden. Guten Abend. Guten Abend. Abend. Je sais que vous allez un peu nous critiquer, oui, mais bon, nous-mêmes, on ne fait pas allemand. On a tout fait pour nous expliquer comment on dit ça. On a fait des répétitions, mais bon, c'est pas facile. Comme quoi, ceux qui font l'allemand, chapeau à vous, les amis. Tu sais comment on dit merci en allemand? Si quelqu'un te demande, tu ne sais pas où. Si quelqu'un te demande. Elle est forte quand même. J'apprends de mauvaises choses à cette fille. Ah, tu m'as tout appris. Hein. Oui. Faites-moi les points, s'il vous plaît, très cher ami. La team pro est toujours en tête avec 9 étoiles. On les applaudit bien fort. Et quant à la team Alfred Alu, 7 étoiles. 7 étoiles. Donc ça va être très difficile parce que nous allons passer à présent au coup de chance. Rien n'est encore terminé, rien n'est encore joué. Ce qui va se passer là, c'est plus les Guten Morgen, les Guten Appetit. Non, ça sera la chance. Qui aura plus de chance pour partir en finale? Eh bien, on le saura après ça. Avec toujours la même pêche, avec surtout le même amour et surtout, on espère la même chance parce que cette fois, c'est la chance qui va décider de qui va en finale. C'est ça, oui. Trois boîtes qui portent en elles des distributeurs, des multiplicateurs. Le multiplicateur x 0, x 1 et x 2. Pour éviter de tomber sur le multiplicateur x 0 parce que vous serez éliminé. Sur le champ, vous allez les voir partir. Hein. Ouais, sur le champ. Zéro. Direct à la maison. Ouais, allez, tout. Sans chocolat, sans pain, sans sardines, bien. Sans vitre, sans alu. Multiplicateur x 0. Bâton devant, apprenti derrière, tout ça. Ça, tu ne peux pas tomber sur multiplicateur x 0. Faut surtout pas. Multiplicateur x 1, bon. C'est pas mal. Vous aurez, si c'est vous qui l'avez, vous aurez 9. Et si eux tombent sur 0, ils sont éliminés. S'ils tombent sur 2, ils passent devant vous. Si vous avez le 2, donc vous êtes à 18, vous serez à 18. Eux, ils auront le 1. Au moins à 7, ou bien le 0, et puis partiront sur le champ. C'est ça, sur le champ. Donc le multiplicateur x 2, c'est le Graal. Hein. Ouais. Ami qui n'a pas très confiance en moi dans certaines choses, me posait une question tout à l'heure pendant la pub. Est-ce que moi, Brico, je suis un grand danseur du coup du matou? Vraiment? Mais Thierry... Moi, je n'ai jamais vu danser le coup du matou. Mais Thierry, elle estime que moi, je n'ai jamais dansé le coup du matou. C'est quoi? Et vous savez? Bougé, mais en bas là. Ah, non, ça a bougé, ça a bougé. J'ai vu ce que tu as fait là. Non, un coup du bateau puissant. Ouais, un coup du bateau puissant, un coup du bateau lourd. Eh hey. Boum, boum, boum. J'ai ma fille qui a. Ah, on a qui eu un an qui, quel que soit ce qu'elle fait, tu entends coup du bateau. Non, un an seulement. Oui, c'est incroyable.
Seraya, elle est comme ça, qu'elle entend. Non, mais c'est incroyable. Elle fait, mais là, elle fait le son elle-même. Et j'avais mon neveu, mon fils aussi, Raphaël. Lui, sa chanson, quand il pleure, quel que soit ce qu'il a fait, quand il est en train de pleurer, quand il entend Roma Chiyaya, y'a quoi? Il s'était en même temps. Donc, du coup, au quartier, en ce moment, il doit avoir 3 ans, mais on l'appelle. Y'a quoi? Tu dis quoi? Y'a pas bruit? C'est pas bruit? Il est fort, Raphaël. Il est fort. Il est fort. Ça, c'est pour détendre un peu nos candidats parce que malheureusement, une des équipes va nous quitter alors qu'on vous aime toutes les deux quand même. Vous êtes trop stressés, donc. Oui, puis vous êtes trop sympa quand même. Ami et Brignon, mon ami Jaffé et Abdoulaziz, qui au début ne s'était pas souvenu qu'il avait quelqu'un, mais mon cher, où ça partait, c'était mieux de déclarer ses biens. Il est fort. Il est fort, il est fort, il est fort, il est fort. Bon. Oui, Brico. Ami va mélanger les boîtes. C'est son travail, cette fille, de mélanger les boîtes. À Paris, à New York, les chances. Elle a mélangé. Elle est forte, Ami. Elle est forte. Aïe, mon cher. Qui va tirer le multiplicateur x0 et qui tirera le multiplicateur x1 ou x2? Bonne chance. Bonne chance, bonne chance. Aïe. Vous êtes en tête, la team bro. C'est vous qui devez choisir en premier votre boîte. Aïe. Ah, il a tenu par la main pour lui donner l'énergie. La chance surtout. Gardez votre boîte. Regardez votre boîte. Vous gardez la boîte. Je vous dis à quel moment l'ouvrir. Très chère Marianne. Gentille Marianne. C'est à toi. Abdelaziz. Oui. D'accord. Okay. Garde ta boîte, Abdelaziz. Alors, Abdelaziz, je rappelle, est le second, l'apprenti de Jaffé. C'est lui qui est venu prendre une boîte. J'espère. Pourquoi tu ris? Son patron l'a envoyé pour aller prendre une boîte. Si c'est propre, c'est bon. Si c'est mou. Mais pourquoi il envoie? Premier chantier demain à 6h. Aussi. Premier chantier à 6h, on envoie Abdelaziz. À son. Il est fort, le patron. Il est fort, le patron. Aïe. Ouh. Ouh. Les amis, ce jeu a quelque chose de particulier, de spécial. Oui. De piquant. Parce que dans la boîte que nous avons ici, nous avons le multiplicateur x1. Une des équipes a le multiplicateur x0 et devra nous quitter sur le champ. Ah, ben d'accord. Bon, vous êtes en tête, ma chère mamie. Bon, ami, maintenant, c'est mieux qu'il regarde et puis nous montre. Parce que leur visage, même là, nous, on saisit son plus. Ce qu'il faut éviter, c'est le multiplicateur x0. Donc, ouvrez votre boîte. Regardez et puis montrez. Pourquoi je fais ça aujourd'hui? Ok, d'accord, c'est bon. Non, parce que souvent quand ils voient là, ils savent pas trop. Donc, eux-mêmes, ils ont qu'à voir. Entre-mêmes, ils sont choqués. Souvent quand ils regardent, ils ne veulent plus montrer. Je vous rappelle que si vous avez le multiplicateur x2, parce que c'est une équipe a le multiplicateur x2 et l'autre a le multiplicateur x0. Le multiplicateur x0 se trouve ici ou là, on le saura. Mais je tiens à vous dire que si vous avez le multiplicateur x2, vous quittez le plateau. Sur le champ, vous devez partir. Vous rentrez à la maison. Voilà. Vous avez perdu 0. Voilà, allez, vos chocolats. Voilà, c'est ça. Regardons. C'est parti. C'est que c'est pas. Dans leur visage, on sera. Non, mais maintenant, montrez-nous maintenant. C'est qu'ils ont, ils ont gagné. C'est hein, mou, parce que, c'est oui, mou, c'est mou, c'est mou. Yeah 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 malheureusement. Regardez-le. Qu'est-ce qu'elle a? Non, mais je l'ai vu. J'ai vu Mariam, quand elle partait, elle a fait aïe, il faut que je prenne la bonne boîte. Elle est émue, Mariam. Jaffé et Abdelaziz, on a été contents. La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez venir quand vous voulez. Alors, justement, chez moi, il y a deux potes coulissantes là qui sont donc. Donc, on va vous inviter. Toi, Abdelaziz, c'est toi qui viendras premier. Merci à tous les deux. Merci. Venez. Bravo.
Ça nous a fait plaisir. Il est très sympa. Abdelaziz, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Faut être fair play. Hein. Ouais. Aïe. Est-ce que tu as vu Je les aimais bien, moi. Mais t'as vu comment l'apprenti est stylé? Oui, l'apprenti est stylé, toi aussi. Oui. Non, mais ils sont pas trop même à finir la classe. Basket. Ils sont pas trop même classe. C'est ça. Donc, je ne peux pas supporter que son apprenti soit pas stylé. Mais ils n'ont pas eu de chance. C'est pas leur jour de chance. C'est ça. Alors, et puis je me dis peut-être que comme il n'était pas en tête, et c'est ça l'avantage d'être en tête, d'avoir le maximum d'étoiles, tu es choisi en premier. C'est vrai. Et donc, certainement que Ami, c'est toi? Oui. Donc, Mariam, c'est là, a choisi le sa boîte en premier. Donc, oui. Il n'avait plus d'autre choix que. Voilà. Une raison c'était pour laquelle il faut tout faire pour vite bien répondre. Parce que même s'il était tombé sur le petit fois 1, c'est pas ça. Donc, elle avait choisi en premier. Donc, il faut avoir le plus de points. Il faut avoir le plus d'étoiles. D'étoiles, merci beaucoup. Pour bien réviser avant de venir à jour de chance. Exactement. Les amis, Prégnon et Mariam, les amis pour la vie. C'est comme ça qu'on vous appelle désormais. Prégnon et Mariam, amis pour la vie. Amis pour la vie. On est amis pour la vie, nous. Amis. Jamais nous attraper. Ils vont jamais nous attraper. Mais moi, je t'attendais pas à ça. Ils vont jamais nous attraper. Jamais. Bon, on va partir pour la dernière chance. Là, maintenant, vous allez jouer pour des étoiles, non ? Des secondes. Combien de temps vous allez avoir dans la Money Box pour gagner les 2 millions de francs CFA ? Il faut avoir le maximum de secondes. Chaque bonne réponse vous donne droit. 5 secondes. C'est ça. On va s'installer box en face des box. C'est ça. Jingle. Installez-vous. Ah, c'est Prégnon qui s'installe là-bas. Mon ami Prégnon. Oh, pré. Oh, pré. Pré. Oh, pré. Oh, pré. Oh, pré. Prégnon. Vous n'avez plus besoin de buzzer. Voilà. Restez concentré. Vous avez 60 secondes. Alors, je vais dire votre nom pour que vous puissiez répondre aux questions. Attention, si vous n'avez pas la réponse, plutôt que de perdre du temps, dites « je passe ». Attention, Prégnon, on commence par vous. Dans quelle ville se trouve la Maison-Blanche ? Washington. Bonne réponse. L'Afrique couvre 6% de la surface de la Terre. Vrai ou faux, Mariam ? Faux. C'est vrai. Quelle est la superficie de l'Afrique ? Plus de 10 millions de kilomètres carrés, plus de 20 millions de kilomètres carrés, plus de 30 millions de kilomètres carrés. 20 millions de kilomètres carrés. Mauvaise réponse. 30 millions de kilomètres carrés. Mariam, à combien est estimé le nombre d'habitants en Afrique ? 900 millions, 930 millions, 1,3 milliard. 9 millions. Mauvaise réponse. 1,3 milliard. Prégnon, quel est le plus grand désert chaud au monde ? Le Sahara. Bonne réponse. Mariam, de quelle langue morte est tiré le nom Afrique ? Je passe. Le latin. Prégnon, quelle est la capitale de la Somalie ? Je passe. Mogadiscio. Mariam, l'Afrique possède la plus grande diversité ethnique au monde, vrai ou faux ? Vrai. Bonne réponse. Prégnon, l'Afrique est considérée comme le berceau de l'humanité. C'est terminé, les 60 secondes sont terminées. L'équipe pro n'a répondu qu'à 3 bonnes réponses. Trois bonnes réponses pour l'équipe pro, ce qui fait 15 secondes dans la Money Box. Ça va. Qui rentrera dans la box ? Mariam. Ah bon ? Mariam ? Il est galant, il est fort ! Il est fort ! Il est galant. Mariam, viens, je t'accompagne. Alors, mon cher ami Prégnon, on va profiter pour faire un peu de causette. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes dans le commerce. Qu'est-ce que vous commercialisez en général ? Du chocolat brut. Du chocolat brut. Brut, oui. Que ouais. Je fais. Mais du chocolat brut, mais nous on explique l'histoire du chocolat brut ici. Mm-hmm. Alors, vous savez. 2 millions de francs CFA. Momo. Momo, c'est le cadreur. D'accord. Quand je n'entrais pas là, Momo. Momo, est-ce que toi, tu connais le chocolat brut ? Parce que Prégnon a été expliqué que lui commercialise le chocolat brut. Mm-hmm. C'est quoi le chocolat brut ? Le chocolat brut, c'est, on peut dire en griffe, les résidus du chocolat qui est à l'usine. Mm-hmm. Quand on prend le chocolat et le cacao, bien séché, qu'on veut faire le chocolat, produit fini, il y a forcément les résidus qui sont là. Ça. Et ça, ce n'est pas un truc qui est gâté. Que nous, on récupère et qu'on rajoute du sucre. Vu qu'il y a des bienfaits à l'intérieur, on rajoute du sucre pour les personnes qui le prennent sucré ou pour les personnes qui le prennent non sucré parce que c'est conseillé par les médecins. Donc, on le fait en petits carreaux de 50.
qu'on met dans des boîtes et on le commercialise, soit sur Facebook, sur WhatsApp. Et c'est quoi ta page sur Facebook? On te fait de la pub gratos. Oui, Michael Prégnant. Michael Prégnant. Voilà, Michael Prégnant. Voilà. Il est fort, il est fort. Michael Prégnant, il est fort. TikTok, Instagram, Michael Prégnant. TikTok, Instagram, Michael Prégnant. Oui. Hein? Oui. Tu fais beaucoup de chocolat. Hein? Oui. Et puis, tu es venu ici sans chocolat. C'est là, le chocolat là. C'est là? Oui. C'est mon gars, il est fort. Il est fort. Mmh. J'ai toujours su qu'il allait partir en finale. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ce garçon, il est fort. Mariam est dans la Money Box, Samy. Mariam est dans la Money Box. Les 2 millions de francs CFA sont là. Sont à ses pieds. Exactement. Mariam, tu ne dois pas te baisser. Tu dois prendre l'argent avec tes mains, ne pas mettre l'argent dans tes poches. Bonne chance. Merci. 10 secondes, 2 millions de francs CFA. 15 secondes. Toi, Bobo, elle adore des rigottes. 15 secondes. Elle a 2 000 dans sa poche. Oui, oui. Non, c'est 2 000 sont dans sa poche. C'est moi-même qui lui ai donné. OK, c'est pour elle, voilà. Les 2 000. Voilà. D'accord. De toute façon, c'est bien la récemment. Merci de m'avoir appelé. Non, mais n'allez pas. Mariam, oui. Tu es prête? Oui, je suis prête. Il prend la voix. Emmène Antara. On y va, Rico? 5, 4, 3, 2, 1, jour de chance! Elle est forte. Mariam, ok. Madame, venez poser. Bon, Mariam, on va prendre les billets, c'est toujours bien. Non. Fallait faire attention, Mariam. T'as pas fait attention. Faut pas tout ramasser, hein. Ramasse bon. Juste cela. Voilà. Il y a deux billets ici. Il y a combien? Voilà. Voilà. Allez Mariam. De ce côté, s'il vous plaît. Allez là-bas. Oui. Voilà. Merci. Mariam, t'es forte. Ça va être bien. Non, c'est pas Mariam. Mariam, elle était timide comme ça au début, mais quand elle est rentrée dans Money Boxing, elle a quoi? Mariam, ça fait l'argent, voilà, Nicolo. On doit se concentrer pour acheter les prochains chocolats. Parce que là, quand même, je pense que Ami est en train de faire des calculs de 5 000 depuis la maison. Elle est folle. C'est beaucoup d'argent, ils ont vidé la Money Box, ils ont gagné beaucoup d'argent. Oui, Rico, merci. Là, c'est ce que Aïe, Ami à la boîte, aïe, de l'argent qui déborde. C'est une bonne nouvelle quand c'est comme ça. Ami. Oui, Brico. Nos amis de la team pro, oui. Ils repartent avec combien ce soir? Ils repartent ce soir avec 62 000 francs CFA. Venez. Prégnant et Mariam ont été sympas. Ils ont été très bien. Chocolat.
On a juste envie de dire, ils sont forts. Les amis, ici on a coutume de dire, Thierry, que... Quand j'ai Wally, tu n'as pas de problème. Ah, on se retrouve demain, portez-vous bien.